se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois, nous étions arrêtés après avoir recruté le prime Arcturien. Et on va tout de suite continuer en allant sauver les étudiants de l'Académie Grissom. J'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi, oui. Javik, stylé, idée ça aussi. Enfin, idée, pas idée ça. Alors, on va prendre Lyra avec un autre équipement. Idéza. Enfin, Idéa plutôt que Idéza. Ok. On reste avec ça. Ok. Ok. Voyons voir comment cela va se passer. Voilà ceux qui ont répondu à l'appel. Un croiseur de Cerberus. Au moins une dizaine de chasseurs qui fait blocus. Il y en a trop pour une attaque de front. Ils tiennent vraiment à cet endroit. Je détecte une transmission entrante. Voyons voir. SSV Normandie, ici Kelly Sanders, directrice de l'Académie Grissom. Nous avons besoin d'aide sur le champ. Cerberus a lancé une attaque sur le centre. Ils veulent mes étudiants. Ici le commandant Shepard. L'approche directe est à exclure. Je sais. Ils ont pris d'assaut nos baies d'amarrage. Des alternatives? Il existe un quai annexe que je pourrais sûrement ouvrir. Très bien. On va venir chercher vos étudiants en navette. Vous pouvez faire diversion, Joker? Oh, sûr, je peux! Venez me chercher! Maintenez la navette en position, on revient! Ok. Commandant, je suis bloqué dans une salle de serveur, à l'angle. Les troupes de Cerberus essaient d'entrer. Tiens. Ça va rapidement, celui-là. Sanders, c'est bon. C'est moi. Merci, commandant. Pour l'amiral Anderson, vous êtes la meilleure. Et avec Cerberus qui approche, il me faut la meilleure. Vous êtes combien au total? Moins de 20. Les autres sont rentrés chez eux en apprenant l'invasion des moissonneurs. Quelques-uns ont voulu rester. Certains. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe. Vous avez parlé de l'amiral? Oui, on s'est rencontrés il y a 20 ans déjà. J'étais là quand sa reine l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. Il était sur Terre lors de l'invasion. Je ne savais pas. On est presque coupé. Vivant et engagé. Il est à la tête. Bien. Si on s'échappe, vous lui direz de rester en vie. Quelques mois à tirer sur des cibles. C'est vrai. Mais l'Alliance a besoin de toutes les ressources. Il voulait être utile. Comment refuser quand la galère?
Attendez, j'essaie de rétablir les communications. Ici Froberg, des cadets sont coincés dans le hall d'Orion. Cerberus nous a piégés. Merde. Le hall d'Orion? Sortez et prenez le couloir. Je les ramène ici. Alors, est-ce que c'est ouvert derrière ou pas? Ah putain, ça s'est refermé. Je vous ouvre la porte. Elle mène au hall d'Orion. Des étudiants. Le chantage. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Attendez un peu et retrouvez Callie Sanders au poste de sécurité. Ok, mais ma sœur Sean est quelque part par là. On va sauver sa sœur. On va essayer du moins. Sa sœur est morte. Ok. C'est où la suite? C'est là-bas la suite. D'accord. Ah, c'est sa sœur, d'accord. Par la déesse, elle saigne. Sean, vous m'entendez? Vous connaissez mon nom? Votre frère est avec Callie Sanders au poste de sécurité. Vous pouvez les rejoindre? Oui. Bah vas-y, récupère. Jack? Shepard? Tout le monde à terre! Vous ne pouvez rien faire. Shepard, éloignez ça. Oh, Jack, ça fait longtemps. Ces cadets ne sont pas aguerris. Il leur faut du soutien. Qu'elle envoyait un SOS. Je ne savais pas que les scouts débarquaient avec leur chef-ten. On vérifie les amplis. Prends-les, tes chants et tes faiblards. Cerberus n'aura pas pitié de toi comme les filles que tu dragues.
Buvez et mangez quelque chose. On part dans 5 minutes. Combien de fois je vous ai dit de ne pas faire confiance à Cerberus ? C'est bon, Jack. J'ai déjà fait ma séance d'autoflagellation. Ah, vous l'avez mauvaise ? Ben merde ! C'est le prix pour leur avoir donné la base des récolteurs. Le caractère de Jack n'a subi aucun changement. Hey, Idea, joli ce corps. Maintenant, tu ressembles plus à un sexbot qu'à un sextoy. Ok, tout ce qui m'intéresse pour l'instant... Vos gars ? Je ne connais personne qui les protège. Ouais, j'ai pris quelques vacances pendant... L'Alliance savait que je vous avais aidé, alors elle m'a offert ce poste. Apparemment... La biotique psychotique ! Je vais vous détruire ! Bois ton jus, Rodriguez. Tu ne pourrais même pas déchirer un mouchoir. Cortez à l'équipe d'extraction. On a combien de temps ? 2 minutes max, commandant. Alors dégagez et retournez au Normandie. Compris. Bonne chance à vous. Shepard à Sanders. Les cadets vont bien ? Compris. Je connais peut-être une autre issue. Vous pouvez annuler le piratage mis en place par Cerberus. Ça passe par le hall d'Orion. C'est tout prêt. Hé, hey, prévenez-moi quand vous aurez trouvé une issue. Comment les étudiants gèrent la guerre ? À votre avis, ce n'est qu'une bande d'adolescents. Il y a quelques mois, leur centre d'intérêt principal, c'était le sexe. Ils sont pas prêts pour la guerre ? Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Alors ce baratin sur les bombes... Parfait en théorie. Peut-être que tout ira mieux quand... Mais... Il conviendrait mieux en soutien. Mettez-les derrière, qu'ils projettent des pas... Vous leur avez dit ? Non. Ils ont besoin qu'on croie en eux. J'ai appris 2-3 trucs en écoutant vos foutus discours. Jack... J'ai l'impression... Je n'ai jamais eu de famille. Le premier qui touche à mes élèves, je le massacre. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces cadets ? Qu'est-ce qui est plus flippant qu'un agresseur biotique énervé ? C'est comme un bombardement biotique. Le premier... C'est pas le genre de truc que vous vouliez détruire sur Terre. Vous savez très bien que non. Ceux-là sont plus vieux et volontaires. Et les seuls qui ressentent la douleur, ce sont les méchants. Suivez-nous. Bien. Alors, d'accord. Et les caméras vont nous aider à nous tirer d'ici ? Il faut atteindre les navettes de Cerberus. Leur croiseur ne les prendra pas automatiquement pour cible. On a donc une chance de s'en tirer. Tu crois pas ? Réactivez les caméras. Je trouverai un chemin vers les navettes où Cerberus ne pourra pas vous coincer. Désolé. Notre institutrice a servi avec le commandant Shepard ? C'est la classe ? On se tient prêt à agir, commandant. Je n'arrive pas à croire que vous ayez travaillé avec notre prof. Avec vous deux, on a peut-être une chance. Ok, donc l'ordinateur devrait être en bas. Non, pas du tout. Où est-il ? Ici, peut-être ? Et ton amphi ? Chaud, je me suis fait une entorse au cerveau. Bois ton jus, ça va aller. Je suis censé passer par où ? L'Orient, ah, là, c'est par là. Ah, c'est ça ? D'accord. Regarde s'il n'y a rien sur les bancs quand même. Bon public. Bon, ça va, il y a l'air de rien avoir sur ça. Sanders, normalement vous avez l'accès. Ok. Le chemin le plus rapide, c'est par l'atrium. Mais les portes sont verrouillées. Il faut désactiver les verrous magnétiques. Les commandes doivent se trouver au-dessus de la porte. Tu entends Cerberus qui dit nos noms ? Ils doivent avoir un dossier sur nous. Qui voudra un dossier sur toi ? Tu peux à peine soulever 100 kilos avec tes pouvoirs. Ok. Vous devriez pouvoir forcer la porte maintenant. Je vous précède aux navettes et j'en prépare 2 au départ. Commando... Niveau supporto... Rien. Ok. Tenez-vous prêts ! On y va en premier pour faire diversion ! On vous couvre ! On va arroser ces... Une bonne stratégie. Ça protégera les cadets des tirs directs. Visez juste ! Je ne vous ai pas entraîné pour que vous mouriez maintenant. Avis aux étudiants de l'académie.
Les issues sont ce que vous gagneriez, c'est de vous faire tuer. Pff, connard. Bordel, il contacte tout le monde. Étudiant, passez votre Omnitech en... Et s'il disait la vérité? Vous avez déjà assuré contre Cerberus. Vous avez été formé. Allez, Rodriguez, ils demandent gentiment juste parce qu'ils ont... Alors, on leur montre qu'on en a dans... Oui, chef. On y va. Ok. Jack est bien comme ça en institutrice, hein. Ok. On peut passer par ce côté-ci. Kali, on est dans l'atrium. J'ai un autre chemin pour rejoindre les navettes. On se retrouve là-bas. Ok. Ok, ok. Tout le monde va bien là-haut? Rodriguez est blessée au bras, parce qu'elle n'a pas fait attention à sa barrière. Commandant, j'ai atteint les navettes de Cerberus sans être repérée. Mais ils savent ce qu'on fait. Vous devez vous dépêcher. Ok. Tiens, temps de changement déguisé, tiens. Une barrière impressionnante, Octavia. Terminé informatique. Je suis le commandant Shepard de l'Alliance. Je viens vous aider. Je n'ai pas cru ça tout à l'heure, et je ne vous crois pas non plus maintenant. C'est un prototype de bouclier à noyaux multiples basé sur les barrières cycloniques. Vous pouvez tirer dessus des heures. Sanders, ici Shepard. J'ai des cadets qui se cachent derrière un prototype de bouclier. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas Cerberus qui imite la voix? Quand vous avez falsifié votre voix pour faire le mur, moi j'ai vérifié les pics de distorsion. Et si c'est le bouclier d'Octavia, rappelez-lui que je lui ai retiré des points, car l'application de forces non contraires surchargeait les émetteurs. Merci Sanders. Vous vous êtes bien protégé. Beau travail. Les autres élèves sont là-haut. Suivez-moi. Ils vont vous sortir d'ici. Ok. Merci. Ok, j'aurais pu juste détruire le bouclier, mais il serait mort, je pense.
temps être gentil. Que tout le monde survive. Hein. Il y a déjà eu assez de morts dans la guerre. Ça ressemble à des plans pour une interface d'amplification. Pas aussi bon que ceux qu'on a déjà, mais ça vaut le coup d'œil. Ok, on va utiliser un atlas, nice. Bon, ok, normalement ça va, c'est simple. Hein. Y a pas de radar, c'est chiant. Ça va, ils sont pas trop forts quand même à mettre des objets, il est très très bien caché, comme ça. Kali, ça en est où? Navette débloquée. Prenez les commandes et faites monter les cadets. Stop! Où se trouve Rodriguez? Il faut qu'on la couvre! Et même plus que ça! Nice. Joker, on vole dans une navette de Cerberus. Gaffe où vous tirez. Ok, je vous vois sur mes écrans. Ça prendra une minute. Merci, commandant. On n'aurait jamais pu fuir cette station sans votre aide. Ouh, oubliez ça. On leur a botté le cul. Au prochain arrêt, vous êtes tous tatoués, c'est cadeau. Vous voulez quoi, les gars? Le logo du projet Ascension? Un point brillant. Hey, oh! C'est incroyable que tout le monde soit vivant. Mais ils sont peut-être prêts après tout. Ils sont plus que prêts. Mais l'Alliance en a besoin dans un rôle de soutien. Quoi? Mais on s'est entraîné? On n'a pas besoin d'artillerie. On a besoin de barrières pour nos espoirs. C'est quoi ces conneries? Hey! Ben, si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fera. En plus, on pourra sûrement se payer un ou deux tirs. Commandant, on vous a en visuel. Prêt à l'amarrage. Hey, Jack.
Allez vous faire voir, lieutenant. Il se passe quoi, là? Jack a promis de surveiller son langage afin de refléter l'image professionnelle. Elle a une boîte à injures ou un truc du genre? Parce que si on la vide, on va... Bouchez-vous les oreilles, les enfants. Hey, Joker, je t'encule. Shepard, vous êtes vraiment d'un grand réconfort. Contente de vous voir aussi, amiral. Amiral, ce n'est pas parce que je vous ai réintégré qu'il faut sortir les grands mots. Contente que vous ayez réussi à rester en vie, Anderson. Je préfère ça. On dirait que vous n'avez pas perdu votre temps, dites-moi. Je n'ose pas imaginer ce qu'il serait arrivé à ces enfants s'ils étaient tombés aux mains de Cerberus. Ils ont hâte de se montrer utiles. Ces cadets sont parmi la crème de l'humanité. Et on les envoie comme ça au casse-pipe. Bon sang, je hais vraiment cette guerre. Dans son rapport, Hackett n'a rien dit sur... Ellie Sanders va bien. Elle est avec les cadets. Merci, Shepard. Elle m'a dit de vous dire de... Merci, Shepard. C'est la... Ah, Anderson. Oui, commandant. C'est tout. Il n'a rien d'autre à dire. Ok. Je vais juste faire une petite ellipse pour parler un peu à tous les membres et je reviens tout de suite. Ellipse. Et me revoici. Donc on va tout de suite faire une petite quête annexe, la quête du dealership. Alors c'est en anglais si vous souhaitez lire, vous pourrez. On accepte tous les contrats. Alors, en free selection. Oui, crédit, non. Bon. Ok, donc je vois. C'est donc des petites zones. Enfin, pas des petites zones, des petites quêtes. Alors, regarde juste vite fait, attendez une petite seconde. Les zones si j'ai fait à ça. Ah. Là j'ai pas fait à 100%, d'accord. Fait à... Toujours pas 100%. D'accord, donc avant de continuer on va faire un peu de d'exploration. Par exemple sur celle-là et récupérer tous les objets. Alors. Ici on a tout. Peut-être là, Grissom. Donc il faut scanner comme ça, espérer de trouver une zone. Pas ici. Comme ça, en même temps, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hein. Ça a l'air d'être ici non plus. Donc c'est à Hong, il n'y a pas d'autre choix de toute façon. J'ai trouvé quelque chose. Ok, ça c'est bon.
Dropship, ok. Désolé pour la gorge qui racle un peu. Celui-là, c'est bon. Donc là, il faudrait que j'entende là-bas pour occuper de ça. Ok. Voyageur cluster. Ok, si on a tout. Donc c'est à Yangtze, juste là-bas. Cette planète, non. Celle-ci, non plus. Ah, donc ça veut dire que c'est tout en bas. Ah, j'aurais pas assez de vide de carburant pour ça. Je vais arriver devant. Ah non, c'est bon, j'ai assez. Ah, nice. Sur cette planète, donc. On va retourner tout seul à la zone car j'aurais plus assez de carburant. C'est pas moi qui clique là. La zone Amazon. C'est Artemis. Donc, pour la suite, on va retourner là. Dealership. De carburant, la télé. On va reprendre le troisième. Enfin, le dernier endroit, donc ici à Artemisto, envahi par les moissonneurs. Faut que je retrouve la zone maintenant. Donc, c'est pas Homo, enfin, le Knossos, pardon, c'est Macédone ou alors c'est Sparta. On parle que ça va être Sparta. Et c'est Sparta. Signal confirmé. Ben voilà. Et on s'en part du point. J'ai juste envie de regarder, il reste quoi à faire. Ok. D'accord. Bon, elle a déjà déposé cela. Les autres, je m'en occuperai en vidéo. Hein. Comme ça, vous aurez un peu vu ce que c'est que cela, quoi ça correspond, tout cela. Ouais, peut-être même qu'on va chercher encore un peu. Tiens, on va finir cette vidéo sur la recherche de zone. Par exemple, ici. Et pour ailleurs quelque chose. Eh bien non. Si c'est vide. Pour le moment sur celui-là en tout cas. Une glace de tête de cheval peut-être. Fortuna. Ok, ça n'a pas l'air d'être ici. Non plus. Je ne sais même pas en fait où peuvent être les deux derniers objets encore. Je vous l'avoue. Ça
dans un secteur que je n'ai pas encore scanné, enfin que j'ai scanné mais qu'il n'y avait rien la dernière fois que je suis venu. Après c'est peut-être pas tout de suite. Hein. Ça m'a pas l'air d'être tout de suite en fait. Pour les deux autres objets. Hein. On va faire un dernier secteur et si on trouve rien, c'est pas grave. On finira la vidéo en rendant ses contrats dans le vaisseau. Dans la prochaine vidéo, donc je vous dis déjà ce qu'on va faire. On ira dans la citadelle faire les quêtes annexes. J'ai trouvé quelque chose. Ah non, ici il y a quelque chose. Il est censé avoir quelque chose, normalement. Apparemment, non. Fuck my life. Il n'y a rien dans ce secteur non plus. On en fait un autre parce que celui-là était petit quand même. On va aller dans la mer des ombres, peut-être que. Bah, il est petit encore, donc celui-là on va le faire aussi. Hein. J'ai juste envie d'essayer de trouver les objets, les trucs comme ça, c'est marrant. C'est le Tartarus. Hein. Sentry Omega. Encore un signal petit. Confirmé. Ah bah voilà. Finalement c'est bien ce que je pensais. Ah. Ah là là, les souvenirs du Virmir, ah, bien sûr. Bien sûr, Virmir. Qui s'est suicidé. Malheureusement, on n'a pas le choix. On n'avait pas le choix, il est obligé de mourir. Mourir pour la bonne cause. Encore une zone, donc ça va, ça c'est bien les secteurs comme ça, c'est facile à trouver. Et on ne gaspille pas de carburant. Moi je dis pas non, il nous reste donc un à trouver. On va le trouver, vous inquiétez pas. Maintenant, il faut trouver les quêtes ne sont pas encore infectées. Donc celui-là, il devrait être là normalement. Ça va dire chose qu'il soit là. Ouais, il n'est pas là. Petite lettre, petite bien-être. Peut-être dans le secteur local aussi, mais ça je peux pas y aller tout de suite. Hein. Faut quand même essayer de voir dans le bassin d'Anos. Hein. Bah non, pas ici. Dans la zone de la citadelle peut-être. Ce serait tellement probable en plus. C'est les deux dernières zones à visiter de toute façon alors si ce voilà. Je ne sais pas où ils peuvent être. Hein. Ça j'avais déjà fait, du coup il n'y a rien. D'être là finalement. Bon bah d'accord, je sais pas où peut se trouver le dernier. C'est pas grave.
ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller donc valider les contrats. On arrêtera cette vidéo ici, donc comme je vous ai dit, dans la prochaine vidéo, on fera les quêtes annexes de la citadelle. Hein. En fait, je me demande si elle n'est pas dans la même zone ici. Ce serait fort probable qu'il y en ait un ici. Je vais même pas regarder en fait. Non, c'est pas sur cette planète que je voulais aller. C'était juste à côté, sur cette station. On va aller d'abord là-haut. Pas ici. Alpha Draconis, ça me fait penser à quelque chose, ça. Je ne sais plus quoi. C'était juste un... peut-être juste un quiproquo avec autre chose, mais je sais plus. Peut-être ici, allez, faites que ce soit sur de cette planète là. Apparemment. D'accord. Bon, apparemment. Aucun contrat valide, d'accord. Quitter l'orbite, on va regarder directement donc en quittant ici. Il nous reste quoi? Ok. D'accord. Et donc nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStep, Project Human HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Vive les jeux vidéo.